télécommande des émotions. Est-ce que tu connais tes émotions? Tu veux qu'on aille visiter ensemble le monde de tes sensations intérieures? Alors ferme les yeux et concentre-toi. Tu vas prendre ta télécommande imaginaire. Cette télécommande magique est toute bleue. Tu peux imaginer le bleu que tu veux, bleu clair ou foncé, avec des paillettes. Les touches sont argentées, rouges, vertes, violettes, oranges, roses et elles brillent. C'est une télécommande cosmique. Waouh, tu en avais jamais vu des comme ça. Tu es prêt? On va appuyer sur le premier bouton en haut à droite, celui qui est argenté. C'est le bouton de la joie. Tu as déjà été joyeux? Tu ressens comme des papillons dans le ventre. C'est ça la joie. C'est génial, ça fait vibrer. On n'a pas envie que ça s'arrête. Savoure cet instant. Respire doucement. La joie traverse tout ton corps. Maintenant, tu vas appuyer sur le bouton violet en haut à gauche. Ouh, c'est la touche de la peur. Ça, c'est une émotion négative. Tu sens ton corps trembler. Tu as froid. Tu ne te sens pas bien, n'est-ce pas? C'est normal, ne t'inquiète pas. Il faut que tu saches quoi faire si tu ressens ce malaise en toi un jour. Tu respires un grand coup et tu penses positif. Tu penses à quelque chose qui te rassure. Un moment agréable que tu as passé avec ta famille, tes amis. Tu changes tes pensées et ta peur va s'en aller. En bas de ta télécommande, vers le milieu, tu as un bouton vert. C'est la touche de la tristesse. On est encore dans les émotions négatives. Ça ne te fait pas plaisir. Tu as déjà été triste? Moi aussi. Tout le monde a déjà été triste. Quand on est triste, parfois on pleure, mais pas toujours. On peut juste se mettre dans un coin, ne pas parler, ne pas avoir envie de sourire. Tu sens cette émotion en toi, comme si tes idées avaient des couleurs foncées, noir, marron, gris. C'est pas très gai tout ça. Allez, faut vite te sortir de là. On a mis l'émotion joie qui viendra te consoler avec plaisir. Ah, ça va mieux? Pourquoi tu te caches? Tu es timide? Oh, mais tu as appuyé sur la touche orange en bas à droite. C'est la touche de la honte. Tu as déjà ressenti de la honte? Souvent, les enfants timides n'aiment pas parler devant toute la classe ou n'aiment pas danser devant tout le monde. Quand tu grandiras, ça ira mieux, car tu auras confiance en toi. Et ça, c'est le bouton de la fierté qui va t'aider. Au milieu en haut, appuie sur le rose. Tu as déjà ressenti ça? Quand tu réussis quelque chose, que tu as une bonne note à l'école ou que tu gagnes un jeu, tu es fier. Et tu as raison, c'est important d'être fier de soi. Quelque chose est en train de changer. Il y a un truc qui monte en toi. Ouh là là, c'est tout rouge, comme la colère. Tu as appuyé trop vite sur la touche en bas à gauche. Le bouton rouge, c'est le plus sensible. Quand on appuie à peine dessus, c'est le tsunami des émotions. Tu es submergé par des sensations bizarres. Tu as chaud. Ton cœur bat à 1000 à l'heure. Tu n'es pas calme du tout. Tu as envie de crier très fort. Tu es en colère. Tu as l'impression d'avoir un lion qui rugit à l'intérieur de toi. C'est dur de se calmer quand c'est comme ça. Prends une grande respiration. Et souffle un bon coup. Ouh.
essaie de sortir cette colère de ton corps. En soufflant très fort, ton corps devient plus calme. Tu appelles encore une fois ton ami l'émotion joie qui va venir te sauver. Pour l'appeler, tu appuies sur la touche en haut à droite, tu te souviens? La touche argentée, celle qui brille. Ça y est, ça va mieux. Tu vas garder cette joie en toi le plus longtemps possible. Et n'oublie pas, si tu es triste, si tu as peur, si tu es en colère ou si tu as honte, pense à tes émotions positives. En pensant positif, on devient positif. Tester ses émotions, ça prend beaucoup d'énergie. Tu dois être fatigué. Il est l'heure de dormir maintenant. Alors, je te laisse te reposer. À bientôt. Bonne nuit.